Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le mardi 8 août. Il est 11h14. J'ai terminé mon montage, j'ai amené les enfants à l'école. Heureusement, j'ai regardé le planning des activités ce matin. Normalement, je le regarde genre, je sais pas, une fois en début de semaine et une fois en fin de semaine. Là, hier, j'ai pas pu le regarder puisque on est parti vite, vous savez, quand on a fait la journée shopping à Toulouse là. Du coup, on est parti un peu vite et j'ai pas regardé le planning. Et ce matin, je me suis dit, bah tiens, je vais quand même regarder le planning, savoir ce qu'ils vont faire aujourd'hui au centre aéré. Ah ben, heureusement que j'ai regardé. Parce qu'en fait, je vois qu'ils ont une sortie ce matin à la piscine. Désolée, vous me voyez mal. Je suis en train de préparer ma poudre, vous savez. Je cherche les glaçons. Parce que j'aime bien la prendre fraîche. Ouais, donc je disais... Heureusement que j'ai regardé parce qu'ils ont une sortie ce matin à la piscine. Enfin ce matin, toute la journée du coup. Mais voilà, heureusement que j'ai regardé. Du coup, en vitesse, parce qu'en plus il fallait être... Normalement je les dépose à 9h au centre et là il fallait y être avant 9h, c'est-à-dire 8h50, ils avaient marqué. Donc bah, résultat des courses, je me suis speedée comme pas possible. Pour amener Aria et Nolan au centre aéré avant 9h, c'est-à-dire que je les ai amenés à 8h50, ils étaient là-bas, heureusement ils étaient à l'heure et tout, mais j'ai commencé à paniquer quand j'ai vu l'heure, parce qu'en plus moi je les réveille, pas que je les réveille à la dernière minute, mais j'essaye au maximum de les laisser quand même dormir suffisamment le matin parce qu'ils sont quand même crevés quoi. Donc c'est pas que je les réveille à la dernière minute, mais je les réveille pas trop tôt, vous voyez. Donc là quand j'ai vu l'heure, je crois qu'il était 8h30 déjà, et qu'ils n'avaient pas encore déjeuné que tout, je me suis speedée, j'ai commencé à préparer leurs affaires. Là. Bon heureusement ils ont toujours la crème solaire dans le sac, la gourde était pleine parce que je la remplis. Maintenant je la remplis le soir, je fais plus comme avant où je la remplissais juste avant de partir au centre parce que c'est trop speed sinon après. Donc là je l'ai rempli hier soir et tout, donc... Ça c'était prêt, la crème solaire, il y avait juste deux serviettes à mettre, le maillot de bain, enfin le maillot de bain ils l'ont mis sur eux avant de partir. Et bon, le slip, tout ça quoi. Mais heureusement que j'ai regardé, en plus il fallait amener les brassards. Parce que je vous avais dit, il y avait une histoire de... comment ça s'appelle? Diplôme, enfin attestation aquatique, je sais pas quoi. Sauf que moi j'avais demandé si c'était obligatoire pour Nolan. Parce que Nolan ne l'a pas, enfin on le retrouve plus, ce test de performance là, sauf qu'il l'a, hein. Mais on le retrouve plus, ça fait tellement, je crois qu'il avait passé au CP. Et donc vu qu'on le retrouve plus, bah, je leur avais demandé si c'était obligatoire tout ça, et en fait, ils m'avaient dit non. Et en fait quand j'arrive là-bas pour le déposer, ils m'ont dit ouais, est-ce que vous auriez le test aquatique? Donc je dis bah non, mais par contre on m'avait dit que c'était pas utile, enfin que c'était pas grave si on l'avait pas. Donc ils m'ont dit ah bah il faut faire un papier d'attestation sur l'honneur comme quoi il sait nager etc, donc j'ai fait ça. Par contre Aria, je lui ai quand même glissé les brassards dans le sac et je leur ai dit que elle savait nager maintenant, mais vu que c'était le tout début qu'elle sache nager, enfin qu'elle savait nager là, qu'il fallait quand même la surveiller, mais que j'ai quand même mis les brassards dans son sac, que s'ils avaient trop de monde à surveiller, enfin c'était trop compliqué, voilà, elle avait les brassards dans son sac et que voilà, donc bah du coup tout se finit bien heureusement, mais ce matin je vous jure j'ai commencé à fliquer hein. Enfin donc au moins ça c'est fait. Là je bois mon, comme tous les matins vous savez, je vous en avais déjà parlé de ça, c'est le Daily Glow, c'est pour la peau, c'est du collagène, il y a de la biotine et c'est de la marque Brent Effect. Et ça en fait vous le diluez dans de l'eau, c'est de la poudre, vous le diluez dans de l'eau ou vous pouvez même le diluer dans le smoothie, dans vos milkshakes, fromage blanc etc. Moi j'aime bien le prendre dans l'eau avec des glaçons, c'est pas mal, le goût est pas mal franchement, c'est à la fraise celui-ci, fraise framboise, non framboise plutôt. Et voilà, du coup je le prends tous les matins et avec les gélules de probiotiques. Pareil, je vous en avais déjà parlé, les probiotiques, c'est super important de faire des cures de temps en temps quand vous vous sentez un peu ballonné par exemple,
ou que vous avez fait des excès, que vous sentez que vous avez des ballonnements, des problèmes digestifs, que vous avez pareil si vous avez par exemple du mal à aller au sel. Moi, bon, c'est pas mon cas, mais c'est vrai que je connais pas mal de personnes qui ont du mal de ce côté-là, d'aller au sel, etc. C'est plein de fibres, donc ça aide aussi au transit. Voilà. Et donc ça, c'est deux gélules à prendre le matin, voilà, avec un verre d'eau. Donc moi, quand je bois ça, en fait, je prends en même temps mes deux gélules. Et je vois bien en fait la différence quand je les prends. Après, c'est des cures, ça vous pouvez faire des cures de maximum 3 mois, mais entre chaque mois, il faut espacer vos cures de 1 mois. Le mieux en fait, c'est de faire une cure de 1 mois. Moi, je préconise de faire une cure de 1 mois 2 fois dans l'année. Moi, bien souvent, je fais une cure vers la fin de, du printemps, début été. Et après l'hiver aussi, voilà. Mais c'est ouais, si vous, c'est super bénéfique ça, les probiotiques. Voilà, donc c'est pour ça que j'étais en train de prendre ça. Et du coup, pareil, vous pouvez toujours bénéficier hein, des codes promo que je vous mettrai en barre d'infos. Vous avez juste à cliquer dessus. Vous verrez en fait directement sur le site si ça vous intéresse. Voilà. Et ouais, et donc moi, ce que j'aime faire avec justement la poudre diluée, c'est de mettre des glaçons dedans. C'est hyper frais. C'est super bon. Allez, je vais me mettre au ménage. Il faut que je fasse des vidéos TikTok sur en fait le haul que je vous ai fait hier de Normal et de Primark. J'aimerais aussi le faire sur TikTok parce que voilà, je sais que vous aimez bien aussi les vidéos TikTok, donc c'est pour ça que je le fais, je fais de temps en temps aussi sur TikTok et sur YouTube. Même si ça fait doublon, mais voilà, les personnes qui préfèrent TikTok verront sur TikTok, et les personnes qui préfèrent YouTube verront sur YouTube. Allez, c'est parti. Bon, il est 13h04, ce que j'ai en dessous des yeux là, c'est les masques yeux là. Vous savez que j'ai acheté chez Normal là, dans la grande boîte, où il y en a 30 paires dedans. Donc voilà, je dois laisser 30 minutes. Franchement, c'est hyper agréable en tout cas. J'adore. Et en plus, ça se voit pas trop. Là, comme ça, en fait, on le voit presque pas. Mais voilà. Vous savez, c'est les trucs en gel. C'est hyper agréable, ça tient super bien. Voilà, alors là, ce qu'on va faire à manger à midi. On va goûter plein de trucs qu'on a appris chez Paris Store hier. Evan, il va prendre les udon. Donc ceux-là. C'est des udon saveur kimchi. Le kimchi, si vous connaissez pas, c'est extrêmement bon. Enfin, moi perso, j'adore. C'est du chou fermenté, c'est un petit peu épicé et relevé. Voilà, il y avait plein de sortes différentes de goûts. Voilà, j'ai pris udon parce que c'est très bon. Donc, ça se présente comme ça. Il y a 3 petits sachets en fait dans le paquet. Ça se présente comme ça. Il y a 2 petites. C'est quoi ? C'est pas si bon. Ah ouais ! Ça a l'air trop bon. On aurait dû. Ouais. Parce que quand on était sur Toulouse, on était donc à la recherche d'un resto japonais pour manger. Et en fait, on était passé devant un resto qui s'appelait Gomu. Et bon, on l'avait pas vu en fait à l'aller, mais au retour, genre je regarde, je dis à Evan, oh là là, mais il y avait ça, ce resto et tout, ça a l'air trop bon, Gumon, ça doit être... Non, c'est Gomu. 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 Non, c'est Gomu. Mais ça s'écrit Gomu. Gomu, et vas-y donne. Et je dis ça a l'air trop bon dedans, on aurait dû manger ici et tout. Et là il cherche Gomu Toulouse. Regardez les photos. Non mais dites-moi pas que ça donne trop envie ça. Rien que le fromage qui fait... Oh, ça donne trop faim. Enfin bref, la prochaine fois on sait où on va manger quand on va sur Toulouse. D'ailleurs dites-moi en commentaire si vous êtes déjà allé là. Si vous connaissez pour les Toulousaines. Il y en a un à Montpellier je crois aussi et à Paris. Enfin je sais pas si... Ouais, Paris c'est sûr. Ouais c'est sûr. Paris c'est sûr. Bah il marque restaurant de hamburger. Mais bon c'est pas les hamburgers qu'on voit d'habitude quoi. Et donc ouais bon bref. Donc on est passé devant et on s'est dit on aurait dû manger là. Enfin voilà. Mais de toute façon à Toulouse il y avait tellement de restaurants qui nous donnaient envie. Voilà. Donc je disais. Les nouilles udon. Et avec, vous avez les petits sachets. Donc il y a un sachet, c'est kimchi flavor. Donc ça, c'est les petits sachets de goût kimchi. Et là, vous avez la poudre pour la soupe, en fait. Donc en fait, vous mettez tous les deux dedans.
Donc ils disent de préparer 350 ml d'eau bouillie, enfin bouillir 350 ml d'eau. Ensuite ajouter les udons, laisser cuire 2 minutes et en même temps mettre les... Attendez, ouais, mettre les udons et les sachets en même temps, laisser cuire 2 minutes et après mettre les udons dans un bol et après vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Là, Evan, il veut des œufs. Donc en fait, je suis en train de faire cuire des œufs là dans la machine à œufs et des œufs durs et du coup, je vais les couper en tranches comme ça, je vais les disposer sur le dessus. Et il va manger avec les baguettes parce que hier, il a mangé avec les baguettes aussi, les sushis et tout. Ah ouais, Gomu Montpellier, ouais. Ça a l'air bon. Et moi, je vais goûter les fameux Tteokbokki. Tteokbokki. Voilà. Et cela c'est sweet and spicy. Donc ils disent verser les bâtonnets de riz à la et la sauce dans le gobelet tasse. Ajouter de l'eau jusqu'à la limite représentée par la couleur 1. Bien mélanger et recouvrir légèrement. Chauffer au micro-ondes 2 minutes ou 3 minutes. Voilà. Trop hâte de goûter ça. Et j'ai vu que les personnes qui mangeaient ce genre de trucs, enfin les box comme ça, ils rajoutaient du fromage, genre de l'emmental ou même du cheddar, etc. sur le dessus. Donc je vais déjà goûter nature, de toute façon on va faire la déguste ensemble. Et je vais déjà goûter nature et après peut-être je rajouterai du fromage. Allez. Bon, du coup l'eau, elle bout, on va y rajouter les udons. Faut que je me dépêche parce que sinon t'auras plus 350, t'auras plus que 301 d'eau. Ah oui. Là. Ça sent trop bon. Oh, ça sent trop bon. J'adore. De toute façon, ça c'est pas vraiment à cuire, hein. C'est déjà cuit, mais c'est juste pour. Enfin, ça, c'est que ça cuit. C'est que ça cuit vite. L'intérieur. On va se faire ça. Donc, du coup, pour les œufs, j'ai ce petit truc là que j'avais acheté sur Amazon qui est bien pratique d'ailleurs. Hop. Bon, à une main, c'est un peu compliqué. Mais voilà, ça vous fait des tranches régulières pour l'œuf. Oh, je l'ai loupé là. Bon, je vais tout disposer. Si vous entendez se moucher, c'est Evan. Hein. Il est réveillé à plein temps, donc en général, le matin, il se mouche. Voilà. Vous savez tout. Waouh, c'est chaud. Comme ça? Ouais, ouais, c'est bon. Bon, moi, j'aurais rajouté un petit peu de la verdure, tu vois, mais... Je pense que t'en veux pas. Tiens. Merci. Allez, on va ouvrir les Tteokbokki. Tteokbokki. Ah ouais, c'est comme ça. Ah, je sais pas si j'aurais mangé avec ça, moi. Quoi? Rien. Presque rien. Enfin, peut-être qu'après c'est bourratif, je sais pas. Je te le souhaite, amour. On verra. Alors. Mais après, je te dis, tout le monde m'a dit, je connais. Enfin, j'ai pas eu de retour où on me disait c'était pas bon. Donc, bon. Moi qui suis pas trop difficile, ça devrait le faire. Oh.
Oh, mais si, il y a de la verdure. Oui, c'est les épices. Bah oui, il en faut, sinon c'est pas bon. C'est sec et... Il n'y a pas beaucoup de sauce non plus. Ah oui, non, mais il faut rajouter de l'eau de toute façon. Donc ça va. Attends, je mets jusqu'au bout là, la sauce. Là. Je sens que je vais faire une connerie. Mon t-shirt, il va être barbouillé de tobouki. Tu mets ton t-shirt? Ouais, je sais, j'ai pas trouvé mon année de naissance, mais bon. Vu que c'est le tien. Ouais, oui, parce que mon t-shirt là, 1989. À la base, je voulais mon année de naissance, quoi. Mais bon, le t-shirt, c'était pas, tu pouvais pas choisir. Donc j'ai dit bon, bah tant pis, à choisir, je prends l'année de naissance David. Voilà. Excellent choix. Par contre, ils disent ajouter de l'eau jusqu'à la limite représentée par la couleur rouge. Ah, de l'extérieur, ok. Donc c'est ça. Ok. Allez. Bon alors, Evan, qu'est-ce que t'en penses? Je vous montre pas sa tête parce qu'il est pas coiffé, hein. Et qu'il m'a dit qu'il fallait pas que je le montre pas coiffé. Bref, alors t'en penses quoi? Moi c'est très bon. C'est très bon? Ouais. Vraiment, vraiment? Ouais. C'est épicé ou ça va? Un peu épicé. Juste relevé ou? Juste relevé. Ouais. Ouais, il galère un peu avec les baguettes. Si. Mais il adore. Aujourd'hui tu y échapperas pas. Ah oui, il faut qu'on fasse la déguste. Dégustation, oui. Il faut qu'on fasse la déguste. Regardez-moi ce patagning de fou. On le fait quand? Bah quand tu veux, après. Après. Après ou maintenant? Manger, non, après manger. Ah non, on mange. Ouais, ok. Manger. Bon, allez, je viens de sortir. Pardon, excusez-moi, j'ai fait un peu de bruit. La box du micro-ondes. Donc ça c'est le goût sweet and spicy. Hein. Et par contre, ça fait vraiment pas beaucoup. Donc à voir si c'est bourratif ou pas, mais bon, je pense que ça c'est à manger juste un genre de banca. C'est plus appétissant toi qu'en vrai, quand même. Ah, c'est pas très... Oui, je vous montre l'assiette. C'est pas très gastronomique. C'est David. il mange les restes. On voit là, je vois pas. Ah ouais, voilà. Et petite coquillette avec de la vache qui rit. Voilà. Ben bon appétit, hein. Ben bon appétit, hein. Ça donne pas très envie. Mais... C'est quand le midi, franchement, enfin moi je, perso, j'ai rien envie de faire quand on est que tous les trois. Je me dis j'en profite qu'on soit que tous les trois pour rien faire, et parce que le soir bah c'est bon, je vais pas manger, donc je me repose un peu sur le midi. Mmh. Voilà, bon bref. Et là j'ai mes petits œufs qui m'attendent là. Deux petits œufs. Allez, c'est parti. Par contre c'est chaud. Hein. Mmh. Oh, c'est super chaud. C'est trop bon. La sauce elle est super bonne. Par contre, ils disent sweet and spicy. Moi je dirais plutôt spicy que sweet. C'est quand même assez relevé. Oh, c'est trop bon. Je vais rajouter du fromage par contre. Je pense que ça pourrait être hyper bon avec du fromage. Tu as goûté? Trop bon. Non, c'est bon, merci. Je préfère mes... T'es pas ta lâche, Kay? Attendez, je vais mettre du fromage. Bon, voilà ce que ça donne. J'ai rajouté du râpé dedans. Ah mince, avec une main, c'est un peu compliqué. Mais voilà, ça donne ça. Franchement, ça a pas l'air trop bon, ça. Avec plein de fromage. C'est excellent. Trop trop bon. Ça, je valide à 100%, hein. Franchement, c'est super bon. Je comprends pourquoi il y en a tellement qui me disent essaye et tout. Tu verras, c'est excellent, Nalina. Bah, c'est vrai que c'est super bon. Allez, on revient pour vous faire la petite dégustation qu'on a. Alors, les boissons, on les avait achetées chez Action. Donc, il y en a une, c'est orange sanguine, et l'autre, c'est framboise. Framboise. Sans sucre. Et c'est pétillant, les deux, je crois. L'autre aussi. C'est sans sucre, en tout cas. Ouais, ouais. Une est sans sucre et l'autre... Boisson gazeuse aussi. Ouais, okay. Ah, donc en fait, une c'est orange sanguine et citron, celle-là. Et il y a de la caféine et de la taurine dans celle-ci. Donc en fait, c'est une boisson énergisante. En plus, c'est marqué dessus.
Voilà, allez, on commence par laquelle? Celle-là. Allez, on gagne du temps, parce que sinon ça va durer trop longtemps. Oui, justement. Ouverture. Par contre, oui, juste pour vous dire, celle-ci, on l'a prise parce qu'on ne l'avait jamais goûtée. Alors que les autres, on les a déjà toutes goûtées de cette gamme-là. Ouais. Marshmallow et tout. Alors, en général, on aime bien le packaging, les canettes sont jolies. Mais c'est vrai que les goûts sont toujours particuliers, donc ouais. On va regarder ensemble. Là, on va dire que c'est une odeur de médicament. C'est vrai, ça a l'air d'être un médicament. C'est chimique, c'est ça? Elle va vous dire que j'aime pas du tout. Ça passe. Mauvaise langue. Je préfère celle-ci aux autres. Elle est beaucoup moins sucrée, celle-ci. Bon, là, faut pas se fier à l'odeur. Enfin, beaucoup moins sucrée, j'exagère quand même. C'est sucré, ça reste sucré, mais ça va, franchement, ça passe bien. Par contre, l'orange sanguine, je la sens pas du tout. Hein. Je sens le citron, mais l'orange sanguine, je sais pas où elle est. Hein. Médicament. Non. Un peu quand même. Franchement? Bah moi j'aimerais bien manger, boire des médicaments comme ça. C'est pour enfants, ils sont comme ça. Non, franchement, ça passe. Ça passe. Ça passe. Ça a plus le goût du citron par contre. Fanta un peu, mais pas sucré. Ouais. Non? Allez, celle-ci. L'odeur, j'aime bien. Ouais, ça va. Ça a l'odeur de bonbons. Vous savez, les sucettes bonbons qu'on avait avant. Les sucettes bonbons, c'est-à-dire? Tu sais, les petites teutotes sucettes, là. Ah, ah ouais, ça existe encore, ça. Ouais, mais c'est une odeur. Le goût. Alors, là, ça... C'est sans sucre, mais on sent le sucre. Quoi. Ah. Ça va, la première gorgée. Waouh. Wow. Je préfère celle-là. Super sucré. Ah, tu préfères celle-là, toi? Ouais. Ah non, pas du tout. Ah non, moi, pas du tout. Hein. Ça a un goût de... Diabolo fraise. Ah non, c'est framboise, mais non, ça a un autre goût. Diabolo framboise. T'as raison, peut-être les tututes là... Ouais, c'est peut-être ça. Les rouges, là. Mais moi j'aime pas. Trop sucré pour toi? Ça c'est écœurant, mais de ouf. Hein. Ah ouais, non. Bah, comme ça, toi t'as la tienne et moi j'ai la mienne. Au final. Bon, après c'est pas ouf. C'est pas ouf. C'est, voilà. C'est juste pour faire le test, mais. De toute façon, on n'aime pas trop. Moi je suis toujours fidèle à ma boisson habituelle. Ouais, moi aussi. Moi Red Bull et lui Monster, voilà. Team gros et team. Ouais, team grande canette et team petite canette. Moi, ça, c'est trop. Un monster, c'est beaucoup trop. C'est combien, 500 ml? Non. Oui, 500 ml. Je sais plus. Ah, ou alors c'est non, peut-être 330. 330 et moi, c'est 25. 500 ml, ça fait beaucoup, je crois. Ouais, non, c'est 330 et moi, c'est 25. Enfin, 250. Allez, du coup, je vais vous faire la petite ouverture du nouvel aspirateur Osotec. C'est le H200 Lite, donc c'est pas le même que j'ai déjà. Moi j'ai le H200 et là c'est le modèle Lite, c'est-à-dire que celui-là au niveau du prix sera moins cher que celui que j'ai déjà. Et donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal pour faire le test, voir ce que ça change du premier et vous expliquer un petit peu ce que j'en pense comparé par exemple à l'autre que j'ai déjà. Allez, on va ouvrir tout ça. J'en profite du coup pour faire le ménage, puisque j'ai attendu pour pouvoir l'ouvrir pour faire le ménage avec. La particularité de celui-ci, c'est qu'il est blanc. Et l'autre, il est noir. Moi, je préfère les aspirateurs blancs, donc je suis trop contente. Déjà, la poignée, c'est exactement la même que le premier. Donc là, bien sûr, il y a aussi la solution à mettre à l'intérieur. Mais après, quand c'est vide, par exemple, vous pouvez très bien mettre un autre produit de sol. Je vous avais déjà montré lequel je mets. Moi, c'est celui de chez Action, vous savez, le... Odeur de bébé là, de la marque Fabulosa. Donc du coup il y a aussi le petit goupillon pour pouvoir nettoyer le réservoir. Et là en fait le goupillon il paraît peut-être tout bête, mais regardez, vous avez ça, c'est un petit instrument pour pouvoir enlever tous les poils et les couper. Il y a une petite lame de rasoir là, c'est super pratique. Donc là il y a la base, donc en fait pour pouvoir mettre votre aspirateur dessus, elle n'est pas exactement pareille que l'autre, j'ai l'impression qu'elle est un peu plus petite. C'est plutôt cool ça, qu'elle soit un peu plus petite, du coup c'est un petit peu moins encombrant. Et du coup on a l'aspirateur qui se présente comme ça.
Il est beaucoup plus compact que l'autre. Je vais vous montrer la différence tout à l'heure. Ouais, c'est pas exactement le même. En fait, la brosse, déjà, c'est pas la même. Là, c'est une brosse ronde. L'autre, c'est une brosse plutôt en largeur, en fait, en longueur. Par contre, pour la quantité, ça, c'est exactement pareil. La quantité d'eau, j'ai l'impression que c'est pareil. Ouais, c'est exactement pareil. Et donc, en fait, la particularité de ces modèles d'aspirateurs, c'est qu'ils sont en 180, c'est-à-dire que vous pouvez le mettre entièrement à plat pour passer sous vos meubles. Voilà. C'est fait exprès. En fait, vous avez une roulette derrière, là. Je ne sais pas si vous allez la voir, mais il y a une petite roulette ici. Donc, en fait, ce qui fait que vous pouvez vraiment le mettre complètement à plat. Et ça, c'est vraiment trop bien. Vous voyez? Et il va continuer à aspirer et à laver. Ça, c'est un gros avantage que j'avais pas, par exemple, sur mon modèle Tineco. Ça y est pas. Par contre, sur l'autre, le H200, il y est aussi, l'option 180. Bon, du coup, je les ai placés l'un à côté de l'autre pour que vous voyez un petit peu la différence. Donc, alors, déjà, au niveau de la brosse, comme je vous disais, celui-là est beaucoup plus large que celui-là. Donc, c'est pour ça, je pense aussi le modèle light. Par contre, le socle, je le pensais plus petit, mais en fin de compte, c'est celui-là qui est plus petit. Regardez, la longueur, ça passe derrière comparé à l'autre. Après, la cuve, c'est exactement la même. C'est la même contenance. Hop, là, c'est pareil aussi. Ça change pas. Je vais l'allumer, on va faire le test ensemble. Bon, allez, c'est parti. Je vais commencer au fond de la pièce, forcément. Donc là, j'ai mis du produit qui est fourni avec. J'ai l'impression qu'il fait un peu moins de bruit que l'autre. Donc l'option, vous avez plusieurs options, bah, c'est pareil que l'autre. Hein. Encore une fois, comme l'autre, il est hyper agréable à manier. Même encore plus, j'ai l'impression. Il est trop bien. Je vais essayer sur les taches de café, là. Bon, du coup, comme vous le voyez, il réussit parfaitement bien le test de la tache de café. Ça enlève tout et surtout, vous pouvez remarquer qu'à droite et à gauche, la brosse va vraiment sur le côté, donc tout ce qui est plainte, etc., ça va vraiment vous raser en fait la plainte et tout vous ramasser. Il est vraiment top. On va faire le test ultime avec une biscotte. Et on va mettre aussi un petit peu de fromage blanc. Alors ça m'embête un peu de gaspiller, mais bon, c'est pour le test. Regardez-moi la puissance de l'aspiration, je trouve qu'il est vraiment parfait, il emporte tout sur son passage, regardez, en un passage, tout est parti. Vraiment, vraiment cool. Et donc là, comme je vous le disais, il va à 180 degrés, donc pour en dessous des meubles, surtout en dessous des lits, c'est hyper important. Donc là, je ne vous ai pas fait la démo en dessous du lit parce que David était en train de se reposer dans la chambre. Mais vous voyez bien qu'il est vraiment extra plat. C'est un gros avantage, ça, justement, pour aller sous les meubles, sous les lits, dans les parties où vous ne pouvez même pas aller avec l'aspirateur. Là, il fait tout. Ensuite, quand vous avez terminé, vous le replacez sur la base et ça va vous faire un nettoyage automatique
Toc. Donc ça va vous nettoyer tout le rouleau ainsi que à l'intérieur. Regardez tout ce que ça a ramassé. Donc en fait là vous avez la partie solide de tout ce que ça a ramassé et là vous avez l'eau sale. Ça a vraiment absolument tout ramassé. Truc de fou. Voilà. Bon bah le test franchement il est hyper réussi. Hein. Pour moi que ce soit le modèle light ou le modèle normal, les deux sont pour moi identiques. Voilà. Bon, on a récupéré les enfants. Et on s'est pris des goûters avec de l'eau et on goûte au parc. Ouais. On allait récupérer les monstres. On vous le donne en mille. Ils sont pas fatigués. Non, ils sont pas fatigués, on est dégoûtés. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont pas restés à la piscine toute la journée. Ils y sont allés genre que 2 heures. Ils ont fait des relais en fait. Ouais, ils ont fait des relais. Le matin et l'autre après-midi, parce que c'est une petite piscine de village. Ouais. Si tu mets tous les enfants là-dedans, ouais. Ils peuvent se marcher dessus. Donc en fait ils ont fait Aria, elle y est allée le matin apparemment et Nolan l'après-midi, mais genre il est rentré vers 16h15, 16h30. Donc je pense qu'ils y sont, alors sachant qu'ils ont mangé ici, donc ils sont pas restés, ils ont dû rester même pas 2 heures quoi. Bah quand même, s'ils sont partis en début d'après-midi, ils ont dû rester 13h à 16h. Pff, ouais, 3h quoi. C'est pas mal déjà. 3h, le temps de se déshabiller, se rhabiller tout le monde, ouais, tu perds des fois. Oh, des fois. Et donc bref, donc ils sont pas fatigués. On pensait les retrouver crevés et tout. Fatigués et tout. Elle pète la forme. Elle est arrivée dans la voiture, elle pète la forme. Nono, il a une tête de fatigué. Nono, un peu plus, ouais. Regarde, il a les yeux éclatés. Oh. Tu le veux pas? Non. Oui, mais je veux pas aller. Aria, t'as mis tes brassards? Oui, elle a mis ses brassards. Ton sac encore une. Ah, elle va te le chercher. Merci Nana. Merci Nana. Mais j'ai pas eu mon bidon. Allez, file. Incroyable les gosses. J'aurais leur énergie là maintenant à 34 ans, je serais content. Hein. On en ferait des choses. Hein. Bah déjà, on mettrait pas 3 jours à se remettre des soirées. Déjà. C'est clair. Ah mais parce que en fait, trois après-midi. On vous a même pas dit. C'est vrai que j'ai pas repris les vlogs après la soirée du mariage. J'ai pas repris le lendemain, le vendredi. Tu sais, j'avais pas vlogué. Ouais, dis-moi pourquoi on n'a pas vlogué. Ouais. Je vais vous dire pourquoi on n'a pas vlogué. Donc le jeudi soir, vous savez, on a eu le mariage. Donc on est rentré. C'était quelle heure? 3 heures. Ensuite, le lendemain, on était genre mode épave, mais vraiment mode épave. Ouais. Si, on était super fatigués. Enfin bref. J'étais trop fatiguée. Tout le monde, on était tous crevés. Mmh. Après le vendredi soir, rebelote soirée. C'était vendredi soir ou samedi soir? Vendredi. Oui, vendredi soir. Rebelote soirée, rentré nouveau à 3 heures du mat. Et le samedi, on était comme des locs à la maison, on n'a rien fait. Et le dimanche? Et le dimanche aussi. Ah oui, non, on était... Franchement, on a eu du mal à s'en remettre. On met 3 jours à s'en remettre maintenant des soirées. Ouais. C'est infernal. Ouais. Aussi, quand même, si ça on avait... on avait abusé aussi. Il y a 3 soirées d'affilée. Parce que finalement, c'était à partir du mercredi soir, on est rentré à 3 heures. Mercredi soir, c'était 2 heures. Oui. Mercredi soir, 2 heures. Oui. Jeudi, 3 heures. Oui. Vendredi, 3 heures. Oui. Donc c'est un peu eu de temps de ouf. Ah ouais. Ça va se calmer un petit peu là, ça va un peu mieux. Bon, on est rentré et David, en passant devant la supérette. Je suis allé chercher des liquides. Il allait prendre fouet et bout d'espé. Il allait prendre un petit apéro. Le problème, c'est que moi, à cette petite supérette, je me méfie. Je regarde les dates. Le 22/4/2022. Périmé. Voilà. Là, voilà. Quand même, ouais. 4. 2022. Voilà, donc le problème, ouais, à cette supérette, c'est à chaque fois qu'on achète des trucs, tout est périmé. Tout est périmé à chaque fois, c'est vraiment embêtant. Je comprends pas pourquoi toujours tout est périmé, quoi. Le moindre truc qu'on prend, c'est passé. Donc
que je sais pas, ça a l'air même pas de, de pétiller ça, non? Je sais pas. Vas-y, goûte. Je me sacrifie pour toi. Ouais, franchement, si elle pétille pas, la loose, hein. Tu peux y aller. Je rentre. 19h. Et vous savez, la dernière fois, je sais pas si vous vous souvenez, dans un vlog, on en avait aussi acheté du saucisson et il y avait carrément des traces vertes. Ah, ça va, celui-là. Vert de moisi, ouais, là, ça va. Mais par contre, moi, je mange pas la peau dessus. Hein. J'espère que. Il est dur comme comme de la pierre. Ouais. Il est dur, mais bon, ça ira. On a des bonnes dents encore. Hein? Bah, non, plus trop. Quand même. Toi et moi, on a plus trop de bonnes dents. Parce que là, t'en partages un peu. Attends, tu veux. Oh là, tu veux un meilleur couteau? Oh là là, le truc. Moi, c'est du savon. Non, c'est pas du savon. T'en as un mieux, ouais. Je vais prendre cela pour ce soir. T'en as un meilleur, ouais. Ouais, je prends un meilleur. C'est l'amour. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. J'espère que vous allez m'entendre parce qu'on a mis le ventilo. Et il est 22h, c'est ça? 22h02. 22h02. On vous a pas montré ce qu'on a mangé ce soir parce qu'on a fait hyper rapide. On a fait des croque-monsieur tout simple avec une petite salade de concombre. Donc on a fait rapide parce qu'on n'avait pas très faim ce soir. Et voilà. J'ai mis le, vous savez, l'eau micellaire qui fait un effet peeling de chez Garnier que j'ai acheté hier chez Normal. Et on va voir ce que ça donne. Ils disent quand même de faire attention à ça. C'est-à-dire que quand vous l'appliquez, il ne faudrait pas se mettre au soleil. Par exemple, il vaut mieux pas l'appliquer du coup le matin. Et le soir, si vous l'appliquez, il faudrait mettre un SPF le lendemain, si on s'expose au soleil. Donc, sachant que quand même demain, il fera très chaud, il faut que je pense à mettre une crème solaire sur le visage demain matin. Voilà. Autrement, j'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.